Expo 67. La plus grande exposition universelle du 20e siècle. Pendant 6 mois, Montréal est le centre de l'univers. Les Québécois s'ouvrent au monde et le monde est au rendez-vous. C'est le début d'un temps nouveau. L'avenir peut commencer. Voilà ce que l'histoire a retenu. Ce qui est gravé à jamais dans toutes les mémoires. Mais il y a l'histoire derrière l'histoire. Les organisateurs de l'expo ont laissé 80 000 documents à Bibliothèque et Archives Canada. Des caisses par centaines, scellées. Des dizaines de milliers de photographies, films, microfilms, diapositives et dossiers confidentiels. Jamais consulté jusqu'à ce jour. Nous venons d'apprendre que l'exposition universelle de 1967 aura lieu à Moscou. Pour Montréal, c'est la troisième fois qu'une demande est rejetée par le bureau international. L'exposition universelle de 1967 aura lieu à Moscou. Montréal a perdu par un seul vote. Mais le 16 avril 1962, coup de théâtre, l'Union soviétique se désiste. C'est par défaut que Montréal aura son expo. Monsieur le maire, que signifie exactement cette désignation de Montréal? Ça veut dire que Montréal est reconnu comme une ville capable d'être l'hôte de toutes les nations du monde en 1967. Le site a-t-il été choisi? Le site sera sur l'île de Montréal. Mais où sur l'île de Montréal? Où trouver 5 km carrés près du centre-ville? On pense à Pointe-Saint-Charles, à Ville-d'Anjou, au Parc Maisonneuve. On pense au Faubourg Amelas et même au Mont-Royal. Mais exproprier des quartiers entiers, ça prend des mois, des années. Pas le temps. Impossible. C'est comme ça que la solution la plus improbable, la plus folle, surgit. Le premier ministre du Canada, John Diefenbaker, croit que Jean Drapeau est devenu fou. This guy is out of his mind. Construire des îles au Canada, le pays où il y a le plus d'espace au monde. À la folie, on répond par du sérieux. Diefenbaker nomme donc les 12 directeurs de l'exposition universelle de 1967. À leur tête, Paul Bienvenu, président de la multinationale Catelli, et Cecil Carsley, de la Lion White Vinegar. Monsieur Bienvenu, pensez-vous que 4 ans soient suffisants pour mettre sur pied une manifestation qui a pris 12 ans à Bruxelles? Mais j'ai confiance que 4 ans seront suffisants. À
Après des mois de contestation quant au choix du site, la construction des îles peut enfin commencer. On organise une conférence de presse à la mesure de ce projet démesuré. On fait les choses en grand. On rassure tout le monde. C'est au nouveau premier ministre du Canada, Lester B. Pearson, que revient l'honneur de lancer les travaux. Le gouvernement canadien assumera 50 % de la facture totale, évaluée à 40 millions de dollars. Le premier ministre du Québec, Jean Lesage, est fier de contribuer à ce grand projet. L'atmosphère est à la fête. Tous sourient pour la caméra. Tous, sauf Paul Bienvenu. Il est inquiet. Avec raison. Deux mois plus tôt, Bienvenu et Carsley ont commandé une étude de faisabilité à un groupe d'ingénieurs. On veut savoir si l'échéancier est réaliste. Un nouvel outil va nous dire, le même qu'utilise la NASA, l'ordinateur. En compilant toutes les opérations nécessaires à sa réalisation, à quelle date l'exposition sera-t-elle prête? Ça veut dire excaver 7 millions de tonnes de terre du fond du fleuve, transporter 15 millions de tonnes de terre et de roches par camion, ériger 847 édifices, 27 ponts, 82 km de route, 37 km d'égouts et de tuyaux, 160 km de canalisation pour l'eau, le gaz, l'électricité, 888 350 bacs à déchets, 1 million d'arbres et d'éclairage extérieur, 84 véhicules, des banques. L'Expo 67 sera prête en octobre 1969. Août 1963. Lester B. Pearson est dans l'eau chaude. Les médias le talonnent. Il ne répond plus. Pas question pour le premier ministre de mettre en péril sa réputation et celle du Canada. Il faut choisir les bonnes personnes. Pas le droit à l'erreur. Mais qui? Who will get the job done? D'abord, Pierre Dupuis, diplomate en fin de carrière. Il faut aussi un ingénieur, un homme droit, un homme tel que Robert Fletcher Shaw. Les deux hommes devront former une équipe capable de livrer à temps. Je reçois un appel d'une personne que je ne connaissais pas, qui s'appelait Robert Shaw. Il dit, « Tu ne me connais pas, mais j'ai entendu parler de toi, j'aimerais te rencontrer. » J'ai dit, « Oui, quand, en fin de semaine ou quelque chose comme ça, parce que j'avais pas beaucoup de temps. » Non, il dit, « Ce soir. » « Oh, ce soir, oui. » »« Oh, bien, j'y suis à Place Ville-Marie. » Puis j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, je cherche un Canadien français un peu fou. J'ai dit, excusez-moi. Oui, il dit, je cherche un Canadien français parce qu'on est en train de construire une équipe pour construire l'Expo 67. On est un petit peu en retard, puis j'ai surtout des anglophones, puis j'ai besoin d'une couple de Canadiens français là-dedans. Puis il faut qu'il soit un peu fou. Parce que franchement, s'il accepte de faire ça, avec simplement 4 années qu'il nous reste à faire, alors que ça nous prendrait 10 ans, il est un peu fou d'accepter, mais je voudrais t'offrir la job. J'ai dit, écoute, laissez-moi y penser, j'ai un peu de temps. Il dit, oui, mais j'ai besoin de la réponse demain matin. Wow!
je suis allé chez moi, puis j'ai commencé à parler à mon épouse de cette offre-là. J'étais, Philippe, tu peux pas le faire. Écoute, t'as des trentaines, des années les plus importantes pour ta carrière. T'es en train d'acheter une compagnie. Comment ça que tu vas laisser tout ça? Pourquoi? Pour quelque chose qui peut pas arriver, qui peut pas... Il dit, c'est justement ça, Nabi. C'est temps qu'on réalise, nous, des Québécois, les Canadiens, qu'on est capable. Mais j'ai pensé avoir une alliée dans mon beau-père. J'ai appelé, j'ai dit, « Dad, veux-tu parler avec ton fils? » Ça, c'était au secours, vraiment. J'ai allé rencontrer mon père dans cet heure le soir. Il dit, « Es-tu fou? T'as pas besoin de ça. T'es jeune, tu commences ta carrière. Fais pas ça, fais pas ça. » Il y avait beaucoup de gens qui critiquaient l'expo. Comme mon père m'a dit, ces îles-là vont flotter puis descendre à Sorel. Ils resteront pas là. C'est de la foutaise, on devrait pas le faire. Il y avait pas grand monde qui était en faveur. Le lendemain matin, à 9 h le matin, j'acceptais la job de Robert Shaw. J'ai commencé à travailler ce matin-là. Robert Shaw m'appelle puis dit, « Accepteriez-vous d'être directeur de relations publiques d'Expo 67? » Je dis, « Non. Je ne veux pas être directeur de relations publiques. Je veux être directeur de l'information par les journaux ou par directement de la publicité et des relations publiques. Je vais prendre les trois. » Et, oui, effectivement, j'ai oublié de dire, écoute, ça prenait trois fois le salaire. Je devais avoir trois fois le salaire de chacun de ces gens. Je n'ai pas demandé parce que je n'ai même pas pensé. Ben, il dit, OK, sounds good. Let's go, let's get to work. Alors là, j'ai trois étages à faire marcher. C'était la façon de faire. Parce qu'autrement, vous avez trois gangs qui vont se disputer les tâches à faire, tu sais, puis il faut que ça soit unifié. On avait entendu parler de lui, on avait su qu'il avait été auparavant directeur des relations publiques chez Ford Canada. Une carrière très intéressante. Alors, il arrive dans mon bureau. Je m'en souviendrai toujours. Et puis, il m'a dit, « Bon, OK, on va commencer tout de suite, on va faire du brainstorming. » Et puis ça, c'était tellement différent de l'approche de ses prédécesseurs, qui étaient très formels, qui nous appelaient à leur bureau. Et Yves est arrivé avec tant d'enthousiasme, mais aussi était très moderne. Voici l'équipe de La Dernière Chance. Des Canadiens français, des Canadiens anglais, des jeunes, des vieux. Un groupe pour le moins éclectique. Edward Churchill, un militaire à la direction de l'aménagement. Jean-Claude Delorme, conseiller juridique. Édouard Fizet, architecte en chef. Dale Redeker, directeur des finances. Pierre de Bellefeuille, directeur des exposants. Yves Jasmin, publicitaire. Philippe de Gaspé-Beaubien, un jeune homme d'affaires fraîchement sorti de Harvard, directeur de l'exploitation. C'est lui qui sera en charge du site pendant les 6 mois de l'expo. Et enfin, le directeur général, Andrew Nivasser.
L'équipe réunie par Pierre Dupuis et Robert Shaw a une mission. Concrétiser le rêve d'Expo 67 à temps. C'était désespéré quand on a pris ça, nous autres. Quand je voyais ce que d'autres pays avaient demandé, 10 ans pour le faire, puis on avait 3 ans et demi, 4 ans. On ne peut pas faire de miracle. We have chosen as main theme of our exhibition Man and His World. Terre des hommes, c'est le titre d'un roman d'Antoine de Saint-Exupéry. Un livre qui célèbre l'amitié, l'entraide, les valeurs humanistes. C'est la vision des dirigeants de l'Expo. Propager l'idée d'un monde idéal. Construire des ponts entre les peuples. Présenter une exposition universelle qui reste gravée à jamais dans la mémoire du monde. Tout doit être radicalement moderne, anticiper l'avenir. Les centaines de pavillons doivent rivaliser d'imagination et d'audace. Pendant 180 jours, les hommes d'Expo veulent amener les visiteurs là où ils n'ont jamais été, pour voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Un lieu où les nations mettront de côté leurs différends pour bâtir un village global, un monde meilleur. Might be a dream, but I think it's time that we start dreaming in our world of realities. All the more so that the younger generations are disappointed more and more with realities and expect from us something new. Terre des hommes, bien sûr, mais encore faut-il de la terre. Tout est à faire. Il faut prolonger la jetée McKay, agrandir l'île Sainte-Hélène. Quant à l'île Notre-Dame, il faut la créer de toutes pièces. Transporter des millions et des millions de tonnes de terre. Et ça, c'est juste le sol. Il faut une ville dessus. Une ville qui peut accueillir 200 000 personnes par jour. Il faut creuser un tunnel sous le fleuve pour amener le métro jusqu'à l'île Sainte-Hélène. Faire un réseau routier. Construire 27 ponts. Bâtir 847 bâtiments. Et faire tout ça en 3 ans et demi. Un travail colossal. De quoi être nerveux. Mais heureusement, l'équipe peut compter sur un homme de fer, le colonel Churchill. C'était un gars qui était dur. Il était le chef d'un service qui avait l'ingénierie, l'architecture, design, puis il y avait tous ces éléments-là en dessous de lui. Il travaillait dans des deadlines impossibles. C'était, comme on disait chez nous, un bulldozer. Le colonel va appliquer une méthode de gestion de projet conçue lors de la Deuxième Guerre mondiale pour accélérer la mise au point de la bombe atomique. La méthode du cheminement critique. Une méthode éprouvée pour mener à bien une entreprise complexe où tout est rigoureusement planifié en fonction de l'échéance. Churchill va ainsi exercer un contrôle absolu sur quelques 20 000 opérations. Ne jamais déroger au cheminement critique. Voilà le mot d'ordre. Un compte à rebours est lancé jusqu'au jour J, le 28 avril 1967. Date de l'ouverture de l'expo. Thank you.
Les travaux avancent, mais pas assez vite. Pour y arriver, ça prend du monde. En fait, ça prend une armée. On embauche massivement. Robert Shaw, en bon gestionnaire, demande d'avoir le budget détaillé. Stupéfaction, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Tout ce qu'on savait, c'est que les trois paliers de gouvernement se partageraient une facture d'une quarantaine de millions de dollars. Aucune estimation précise n'avait été faite. Robert Shaw et son équipe les font, eux, les calculs. Well, the direct cost of the corporation's activities, capital and operating, are $167.2 million. 167 millions de dollars. 1,5 milliard en argent d'aujourd'hui. Plus de 4 fois la somme prévue. Les politiciens sont estomaqués. Avant d'approuver, on va y penser. What will be the estimated... Andy Nibasser, qui était le directeur général, il tenait tous les policiers de côté pour répondre à leurs questions tous les jours. C'était continu de ce côté-là. C'était négatif. Les discussions étaient très acerbes. Jusqu'à un moment donné, on ne savait jamais exactement quel serait notre budget. Le 17 avril 1964, après des discussions houleuses, le cabinet Pearson approuve le nouveau budget de l'exposition. Le vote est remporté par une seule voix. Le climat était réfractaire à l'endroit de l'expo. Nos amis d'Ontario voyaient l'expo comme un défi pour le Canadian National Exhibition, CNE, qui avait lieu depuis presque 100 ans à Toronto. C'était leur événement qui se faisait régulièrement tous les ans. Et ils se sont dit, ils vont nous enlever notre auditoire. Controller, do you feel the fair should have been held in Toronto rather than Montreal? I most assuredly do, and there would certainly not have been the waste, enormous waste of money, and it isn't over yet. Do you feel that the rest of Canada is subsidizing this fair in Montreal? The rest of Canada is subsidizing the fair. And they get everything, and I'm sick and tired of it. And I propose to go to Ottawa about this Winter Works program with this waste going on for Montreal. This is Sunday Morning Magazine, a weekly report on the people and events in the news. In this edition, the 1967 Canadian World's Fair and its problems. Il y avait une attitude réfractaire à travers tout le Canada. Notre pays n'est pas facile de composer, hein? On a des différences. C'est beau, c'est formidable, c'est grand, mais c'est pas facile de l'amener ensemble. Le Québec était séparatiste, en fait plusieurs. Puis bien évidemment, ça ne faisait pas l'affaire du reste du Canada. Alors on était déjà suspect. Ils trouvaient que c'était vraiment encourager le mal. C'est la traditionnelle opposition de anglais-français au Canada. Ce fameux symbole, qu'est-ce que c'est? Ce symbole se compose d'éléments qui existent depuis toujours, depuis très longtemps, et qui représentent l'homme.
Ce que nous avons dessiné, c'est des hommes qui se groupent autour d'une terre. Nous avons exprimé le thème de l'exposition qui était « Terre des hommes ». Ottawa, qu'est-ce que là, ça a l'air des pattes de poulet. Il n'y a pas de feuilles d'érable. Il n'y a pas de symbole canadien en dessous de ça. Puis, alors, retournez-moi ça. Ils ne comprennent rien dans tout ce qu'on faisait. C'est vendredi dernier, à la suite d'une réunion des membres des communes à Ottawa, qu'on décidait de rejeter l'emblème de l'exposition. Cet emblème que tout le monde connaissait déjà et qui avait été choisi après la tenue d'un concours en cercle fermé. Le chef de l'opposition officielle, John Diefenbaker, prend la parole. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il y a de canadien dans ce logo? Jamais je n'ai vu une telle monstruosité. C'était pourtant l'occasion idéale de placer un drapeau canadien au centre pour montrer que l'expo est canadienne. Monsieur le Président, nous devons rejeter ce symbole. Croyez-vous, M. Hébert, que si votre symbole avait eu une feuille d'érable avec un joli castor, que ça aurait plu davantage, M. C'est possible. Peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ce n'est pas une exposition montréalaise, ou québécoise ou canadienne, c'est une exposition universelle. An exhibition of this type is universal, meaning all subjects, and international, meaning all nations. Il était très important pour nous de tenir front. Mais il fallait dire non à Ottawa, puis c'est quand même à Ottawa qui payait l'expo. On n'acceptait pas de pression politique. On vertuait un ordre, un décret qui vient de ça. Laissez-vous pas influencer par qui que ce soit. Tous les mercredis soirs, on se rencontrait les uns chez les autres, puis on s'aidait les uns les autres. Et on a créé ce qu'on appelait les durs. Et les durs, c'était tous les chefs de service. La responsabilité de l'expo, c'est à nous. C'est sur nos épaules qu'elle repose. C'est sur nos épaules qu'on va se fier. 30 juin 1964. Après un an à transporter de la terre jour et nuit, ça y est. Les îles sont enfin terminées. On peut commencer à construire Terre des hommes. C'est le véritable jour 1. C'est avec un profond sentiment de responsabilité qu'à titre de commissaire général, je reçois les terres nouvelles de l'île Sainte-Hélène et de l'île Notre-Dame pour en faire un haut lieu de civilisation universelle. Il n'y avait rien. Il y avait de grands trous. Difficile à envisager que d'ici 3 ans, ça va être très beau. Il y aura des pavillons partout, il y aura des arbres, des jardins. Pas facile à croire, hein? C'est au tour du commissaire général Pierre Dupuis d'entrer en scène. Sa mission? Parcourir le monde et convaincre chaque pays qu'il doit avoir son pavillon à Montréal en 1967. Pierre Dupuis veut toute la planète sur sa Terre des hommes.
les pays alliés, bien sûr, mais aussi et surtout les pays du bloc de l'Est. En pleine guerre froide, leur présence à l'expo risque fort d'attirer les foules. Si l'on obtient l'URSS, plusieurs pays communistes suivront. La stratégie de Pierre Dupuis? Créer un effet domino. En fin d'année, 27 pays, dont le Canada, avaient annoncé officiellement leur participation à l'exposition. Le Royaume-Uni, le Maroc, la Malaisie, le Japon, la Finlande, le Danemark, la Tunisie, les États-Unis d'Amérique, qui ont annoncé officiellement leur participation à l'exposition. Montréal accueille pour la première fois le paquebot soviétique Alexandre Pouchkine. C'est à son bord que Pierre Dupuis et l'ambassadeur de l'Union soviétique au Canada, M. Ivan Tchepko, paraphent le contrat de participation de l'URSS à Expo 67. Je crois qu'à la fin de décembre l'an dernier, il y avait une trentaine de participants. Maintenant, nous en avons 70. Ils m'ont fixé un objectif de 30 millions de visiteurs. Oh, oh, c'est déjà ambitieux. Pas facile. D'abord, il faut sensibiliser les médias d'information. Circuit breaker, second arm. Oxygen, skip, piston arm. On va inviter les journalistes des villes du Canada et des États-Unis à venir voir qu'est-ce que ça voulait dire l'Expo 67 en préparation. Alors, on a fait des invitations aux journaux. Ils venaient à nos frais, à Montréal. Puis là, on les amène sur l'emplacement. Puis là, il y a des photos, des textes. Tu sais, on avait tout fourni. Il y avait quelqu'un qui venait leur faire un speech, souvent beau bien, parce qu'il était très bon orateur, puis il était beau, il était jeune, puis il était vendeur. This is the first time in the history of exhibitions that it's held on an island. It's the first time that it's held outside of Europe. It's the first time in the history of exhibitions that we've given so much importance to the education. You have no choice. You just gotta come. Tout le monde était dans ce besoin d'informer puis de créer une compréhension de ce que c'était que l'Expo 67. Mais on ne savait pas si on convainquait. L'observateur de passage cherche les édifices et les rues. Il n'aperçoit que quelques structures à peine debout. Il devient convaincu que l'Expo est en retard. Il juge d'après ce qu'il voit. De la façon dont c'est parti, je ne pense pas que l'expo sera prête pour 67. On ne semble pas tellement pressé de commencer. Il y a certains pavillons qui ne sont pas, sont pas commencés du tout, du tout. Les gens sont anxieux, tous, moi d'ailleurs. Sera-t-elle prête à temps? Voilà la question qu'on pose le plus souvent à ceux qui sont associés, de près ou de loin, à l'expo 67.
Les critiques, on en a eu beaucoup. Il y avait toute une campagne donc à faire à l'intérieur même du pays. On savait l'immensité du travail qu'il y avait à faire pour vendre l'expo, pour la faire connaître, pour la faire apprécier, les posters, le cinéma, la radio, la télévision. C'était un travail énorme. La Russie a choisi pour thème « Tout pour l'homme, par l'homme ». Le passeport d'une semaine, $7.50. Et il comprend des étapes. C'était très, très, très exigeant d'avoir à mener une équipe comme celle-là, puis de corriger ici, puis de faire ça, puis d'amener les gens à faire ce que je voulais qu'ils fassent. J'ai eu la chance, pendant un bout de temps, de présenter une immense maquette de ce qu'allait être l'expo. On m'a envoyé à Toronto, à Calgary, à Vancouver. Je faisais la tournée du Canada avec cette maquette. Tout le monde était très sceptique. The name of the game is Expo. It's a short, catchy, and really cute phrase, I guess. When Brussels had a World's Fair, it was called the International World's Fair, or the World's Fair, the same for Seattle, New York, and other places. In other words, people knew what it was and where it was. We have Expo. Could be a can of sardines, or it could be a Montreal International or World's Fair. Quite a lot of people think that the most expensive gift of all, Expo, is a brand of detergent. Ça, c'est une résistance beaucoup de la part des Canadiens anglais qui disent Expo means nothing. Tu sais, what do you want? Exhib? Exhib 67? Don't be ridiculous. And then there is our story on Expo. We still want to tell it to you. Expo has a problem right now, as we were mentioning. W5 went to the States this week. This is what's known in television as an instant survey, but it does make you wonder about that name, Expo. Expo. What's Expo, right? How does people know. Is it some kind of advertisement for an airline or something? No. I don't think I'd like that X bit. I don't. Maybe the Canadian Wars Fair. It's in Canada. Yeah, that's what I think. Should that be better than calling it Expo 67? I think so. What's in a name? Well, about $500 million and Canadian prestige. That's what's in this name. And it's too late to change it now. C'est un job qui ne peut pas se faire en 24 heures. Tu sais, c'est un flirt constant. Yves Jasmin voulait que j'aille aux chambres de commerce puis aux différents groupes pour faire des discours à Buffalo, à Toronto, à Chicago, pour essayer d'intéresser les gens à venir. In the history of our continent, we have here 70 countries who will be here with a different color skin, a different language, a different tradition, a different architecture, a different way of life, a different political system. And that is all there for young people to see.
a great opportunity to show Americans we're not that dull. For once in our history, to show you what we are, to show you what we would like to do, to show you what we've planned to do. And we ourselves are pretty proud of the fact that we're able to do something that's the biggest and the greatest in the world. It means a lot to us that you come and see us that year. And no matter if it was not the greatest and the most extraordinary exhibition ever attempted in the history of mankind, which it is, by the way, you have no choice. You just gotta come. Thank you very much. On fait une publicité pour Life, qui tirait 9 millions d'exemplaires. Puis on prend une petite photo de la structure du pavillon soviétique qui a l'air d'une rampe de lancement. On dit, see what the Russians are building. See what the Russians are building, just 40 miles from the USA. As an American, you should look into it. Un coup de génie. En pleine guerre froide, l'URSS est l'empire du mal pour les Américains. Et aux Américains, Jasmine dit, les Soviétiques sont à vos portes. Venez voir derrière le rideau de fer. Venez rencontrer l'ennemi. La provocation est le meilleur outil publicitaire. C'était très catchy. C'était une folie. Mais c'est une folie qui est à 9 millions d'exemplaires que ça valait la peine de faire, tu sais. Ce soir, M. Yves Jasmin répond aux questions de nos journalistes. Monsieur Jasmin, est-ce que vous êtes satisfait de la rentabilité de vos dépenses en publicité? J'entends par exemple, on nous a dit récemment que vous alliez dépenser 350 000 dollars pour une page de publicité dans les principaux journaux et revues du monde. Oui. C'est cher, c'est un train qui est difficile à soutenir. Une page de publicité dans un magazine comme Life, par exemple, a des échos très considérables. Ça coûte très cher, c'est vrai, mais c'est un argent qui est bien placé. Ça pose également deux questions. D'abord, quel est votre budget? Exactement. À 8h30, 9h le soir, Bob Shaw m'appelle pour dire, Philippe, on a un problème majeur. L'expo est en danger. Diefenbaker a dit, notre argent est gaspillé par les gens de l'expo. Il a dit, it's a Roman orgy. C'est une orgie romaine sans contrôle et on devrait considérer la possibilité de terminer cette expérience-là. Le gouvernement minoritaire libéral de Pearson est fragile. Il peut tomber à tout moment. Attaquer l'expo, monter en épingle l'explosion des coûts, c'est le jeu de l'opposition officielle, les conservateurs de John Diefenbaker. C'était une raison politique et non pas une raison de conviction de sa part. Il faut agir. Les durs envoient Jean Drapeau en mission à Ottawa. Il rencontre Diefenbaker. En une heure, il le convainc.
Que lui dit-il? Que l'Expo va renforcer l'unité canadienne. L'Expo est sauvée. Voici l'édition métropolitaine du magazine Présent. Raymond Grenier, est-ce qu'il existe à l'Expo plusieurs domaines dont on peut s'inquiéter avec des raisons sérieuses? Officiellement, le colonel Churchill a avoué un retard de 4 semaines. Ça serait miraculeux si c'était prêt vraiment le 28 avril 67. Je crois qu'il faut toucher du bois, et il doit y avoir beaucoup d'ingénieurs qui touchent du bois également. Triste nouvelle de dernière heure. Le colonel Edward Churchill, directeur de l'aménagement de l'Expo, a dû être hospitalisé hier à la suite d'une crise cardiaque. Ses collaborateurs à l'Expo et ceux qui sont associés à l'Expo font des vœux ardents pour son prompt rétablissement. Je voudrais rectifier peut-être des inquiétudes que les auditeurs pourraient avoir au sujet du colonel Churchill. Il a eu une légère attaque, c'est vrai. Il est à l'hôpital, c'est vrai. Il va cependant très bien. Le colonel Churchill, il a fait venir une petite maquette dans sa chambre à l'hôpital. Il ne cessait de téléphoner à des gens, d'arranger certaines choses, de négocier avec des constructeurs, etc. Ça, c'était l'Expo. Jean-Claude Delorme, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonjour, monsieur Bourbier, bonjour. C'était frénétique. Il y avait tant de choses à faire et puis il y avait si peu de temps. On plantait des arbres à 20 sous zéro. Ça ne sera jamais prêt en temps, mais j'ai dit, on n'a pas le choix. Il faut le faire. Avril, le matin. L'ouverture de l'Expo. Moi, j'étais réellement inquiet. Est-ce qu'ils vont venir? On ne sait pas.
Philippe et moi, on était à le restaurant sur l'île de Champlain. Et puis, on était sur le balcon. On a regardé le site. Il n'y avait personne là. Mais c'était magnifique. On regardait un panorama exquis. Et là, il me regarde, il dit, on a tout fait ça, on a tout planifié ça. Penses-tu qu'ils vont venir? Mon cœur. J'ai dit, ben, ça augure bien. Ça a continué, ça a continué, ça a continué, ça a continué, ça a continué. Bon, Bell Boy sonne, je ne prends pas, je m'en vais au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est M. de Gaspé-Beaubien, on a un problème majeur. Berry de Montsigny, la station d'entrée du métro. On recommande qu'on ferme l'entrée de l'expo à Berry de Montsigny. Il y a trop de monde. Hey! J'étais heureux, il y avait du monde qui venait. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Nous te ferons la fête sur une île inventée, sortie de notre tête, tout aux couleurs de l'été. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. J'étais dans la salle de contrôle, puis j'essayais de minimiser les problèmes que nous avions à l'expo. J'ai 10 services, 10 000 employés qui travaillaient dans tous les domaines de l'expo. La sécurité,
les spectacles, la ronde, les restaurants, les hôtesses. La responsabilité était assez énorme. Dans le milieu de ma trentaine, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Les Anglais disent « we rise to the occasion ». On se mesure à la dimension du défi à ce moment-là. Il y a des choses qu'on ne mentionne pas beaucoup. Les gars de ma sécurité ont admis qu'il y a eu 27 attentats contre les chefs d'État qui ont été proférés, qu'on n'a jamais parlé à personne. Et heureusement, ça n'est pas arrivé. Tous les jours, il y avait des petites crises, tous les jours. Mais il ne faut pas que le public voit ça. Les 6 mois de Expo 67, c'était la magie. C'était la magie. Le souvenir de ça, c'est dans tous nos sens. Moi encore, je peux fermer mes yeux. Je sens. Je peux te dire les fleurs qui étaient autour de nous. Quand on a passé les pavillons différents, la senteur différente. Dans chaque pavillon, un autre grand cadeau pour apprendre, pour goûter, pour partager. On était capable de voir quelque chose complètement différent. Québec a ouvert les portes et les cœurs, vraiment. C'était une merveille, cette expo-là. Vraiment. Et on a battu tous les records. Est-ce que c'est incroyable? Nous, chez nous, on a battu tous les records.
Quand ils sont venus ici, ils ont réalisé l'hospitalité, la chaleur, le dynamisme, la créativité qui existe ici. C'était ça, l'expo. C'était plus que des pavillons, c'était le climat de confiance que ça a régénéré auprès de toutes nous autres, qu'on était capables. Ça a changé notre Québec complètement. On m'a toujours dit, Philippe, t'es né pour un petit pain. Pas vrai. Après l'expo, c'était plus un petit pain, c'était tout le pain complet. Si on voulait, on était capable. Et nos cœurs les unis, comme s'il s'agissait du rythme naturel de la vie des hommes. Cette exposition a été une expérience de bonheur collectif, de compréhension et d'admiration réciproque. La grande famille humaine s'est reconnue semblable en toutes ses figures, en tous ses élans, en sa joie de vivre et d'aimer. Elle est en marche vers la paix. Cette œuvre commune, nous l'avons voulue, nous l'avons créée. Nous l'avons enrichi de notre inspiration et de notre espoir. My report is a simple one. Mission completed. Mission accomplie. Nous étions tous, je crois, un peu tristes. Quand le site avait été vidé la nuit de la fermeture, c'était fini. C'était fini. Après ce que vous venez de voir de notre exposition, vous comprendrez sans peine qu'une œuvre de cette envergure n'est pas seulement l'œuvre d'un homme, mais d'une équipe. On a réussi cette mission impossible, c'est-à-dire que c'est impossible, mais c'est réalisable, on l'a fait. C'est une grande satisfaction.
Ce qui a fait le succès de l'expo, c'était l'ouverture d'esprit des deux générations d'employés. On avait presque une culture de tuteur. J'aimerais revoir ce genre d'esprit. Parce qu'on a tous beaucoup à apprendre. L'expo, si ça avait été construit rien par nous autres, les Canadiens français, n'aurait pas ouvert en temps. Parce qu'on aime à dialoguer puis à discuter un peu, hein? Si ça avait été construit juste par des confrères anglophones, ça n'aurait pas été aussi le fun, aussi agréable que c'était. La combinaison des deux, quoique pas facile, a fait que nous avons eu quelque chose simplement d'extraordinaire, avec des gens bien ordinaires comme nous autres. Expo 67, the largest world fair of the 20th century. For 6 months, all eyes were on Montreal. Quebec opened its doors to the world, and the world showed up. It was the start of a new era. The future was here. This is the story we all know. The story forever imprinted on our memory. But behind that story lies another story. The organizers of Expo 67 left 80,000 documents to Library and Archives Canada. Hundreds of sealed boxes, tens of thousands of photographs, films, microfilms, slides, and confidential files that have never been consulted up until now. Nous venons d'apprendre que l'exposition universelle de 1967 aura lieu à Moscou. Pour Montréal, c'est la troisième fois qu'une demande est rejetée par le bureau international. The 1967 World Fair
is to be held in Moscow. Montreal loses its bid by one vote. But on April 16, 1962, the Soviet Union withdraws. Montreal gets its world fair, after all. Monsieur le maire, que signifie exactement cette désignation de Montréal? Ça veut dire que Montréal est reconnue comme une ville capable d'être l'hôte de toutes les nations du monde en 1967. Le site a-t-il été choisi? Le site sera sur l'île de Montréal. But where on the island of Montreal? Where will they find 5 square kilometers of space close to downtown? They think of Pointe Saint-Charles, Ville d'Anjou, and Maisonneuve Park. They think of Mercier, and even Mount Royal. But it would take months, or even years, to expropriate entire neighborhoods. There is no time. It is impossible. Then, they come up with the craziest, most improbable solution of all. The Prime Minister of Canada, John Diefenbaker, thinks Jean Drapeau has gone crazy. This guy is out of his mind. Build islands in Canada. The country with the most space in the world. But Diefenbaker gives the crazy idea a serious response. He appoints 12 directors for the Universal Exposition of 1967. They are headed by Paul Bienvenu, president of the multinational Catelli, and Cecile Carsley, president of Lion White Vinegar. Monsieur Bienvenu, pensez-vous que 4 ans soient suffisants pour mettre sur pied une manifestation qui a pris 12 ans à Bruxelles? Mais je suis, j'ai confiance que 4 ans seront suffisants. After months of deliberations over the site, the construction of the islands can finally begin. A press conference is called to announce the grandiose project. The tone is reassuring. Canada's new Prime Minister, Lester B. Pearson, has the honor of launching the project. The Canadian government will foot 50% of the bill, estimated at $40 million. The Quebec Premier, Jean Lesage, is proud to contribute to this amazing project. The mood is celebratory. Everyone smiles for the camera. Everyone except Paul Bienvenu. He is worried, for a good reason. Two months earlier, Bienvenu and Carsley called on a group of engineers to conduct a feasibility study. They wanted to know whether the timeline was realistic. The engineers used a new tool to make their predictions, the same tool used by NASA, a computer. Once the data on all the operations is compiled, when will Expo 67 be completed? These operations include excavating 7 million tons of earth from the bed of the St. Lawrence River, transporting 15 million tons of soil and rocks by truck, constructing 847 buildings, 27 bridges, 82 kilometers of highway, 37 kilometers of sewage pipes, and 160 kilometers of conduits, installing 88,713 kilometers of pipes. Expo 67 will be ready by October 1969.
August 26, 1963. Lester B. Pearson is in hot water. The media are after him. He no longer takes their calls. There is no way the Prime Minister will risk his reputation or that of Canada. He has to choose the right people. There is no room for error. But who? Who will get the job done? First, Pierre Dupuis, a diplomat at the end of his career. He also needs an engineer, someone dependable, a man like Robert Fletcher Shaw. The two men have to put together a team capable of delivering the goods and on time. Je reçois un appel d'une personne que je ne connaissais pas, qui s'appelait Robert Shaw. Il dit, tu ne me connais pas, mais j'ai entendu parler de toi, j'aimerais te rencontrer. J'ai dit oui, quand, en fin de semaine ou quelque chose comme ça, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Non, il dit ce soir. Oh, ce soir, oui. Oh, bien, j'y suis à Place Ville-Marie. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, je cherche un Canadien français un peu fou. J'ai dit, excusez-moi. Oui, il dit, je cherche un Canadien français parce qu'on est en train de construire une équipe pour construire l'Expo 67. On est un petit peu en retard, puis j'ai surtout des anglophones, puis j'ai besoin d'une couple de Canadiens français là-dedans. Puis il faut qu'ils soient un peu fous. Parce que franchement, s'ils acceptent de faire ça, avec simplement 4 années qu'il nous reste à faire, alors que ça nous prendrait 10 ans. Il est un peu fou d'accepter, mais je voudrais t'offrir la job. J'ai dit, écoute, laissez-moi y penser, j'ai un peu de temps. Il dit, oui, mais j'ai besoin de la réponse demain matin. Wow! Je suis allé chez moi, puis j'ai commencé à parler à mon épouse de cette offre-là. J'ai dit, Philippe, tu peux pas le faire. Écoute, t'as des trentaines, des années les plus importantes pour ta carrière. T'es en train d'acheter une compagnie. Comment ça que tu vas laisser tout ça? Pourquoi? Pour quelque chose qui peut pas arriver, qui peut pas... Il dit, c'est justement ça, Nabi. C'est temps qu'on réalise, nous, des Québécois, les Canadiens, qu'on est capable. Mais j'ai pensé avoir une alliée dans mon beau-père. J'ai appelé, j'ai dit, « Dad, veux-tu parler avec ton fils? » Ça, c'était au secours, vraiment. Je suis allé rencontrer mon père à 7 heures le soir. Il dit, « Es-tu fou? T'as pas besoin de ça. T'es jeune, tu commences ta carrière. Fais pas ça, fais pas ça. » Il y avait beaucoup de gens qui critiquaient l'Expo. Comme mon père m'a dit, ces îles-là vont flotter puis descendre à Sorel. Ils resteront pas là. C'est de la foutaise, on devrait pas le faire. Il y avait pas grand monde qui était en faveur. Le lendemain matin, à 9 h le matin, j'acceptais la job de Robert Shaw. J'ai commencé à travailler ce matin-là. Robert Shaw m'appelle, puis il dit, accepteriez-vous d'être directeur de relations publiques d'Expo 67?
Non. Je ne veux pas être directeur de l'action publique. Je veux être directeur de l'information par les journaux ou par directement de la publicité et des relations publiques. Je vais prendre les trois. Et, oui, effectivement, j'ai oublié de dire, écoute, ça prendrait trois fois le salaire. Je devrais avoir trois fois le salaire de chacun de ceux-là. Je n'ai pas demandé, parce que je n'ai même pas pensé. Ben, il dit, OK, sounds good. Let's go, let's get to work. Alors là, j'ai trois étages à faire marcher. C'était la façon de faire. Parce qu'autrement, vous avez trois gangs qui vont se disputer les tâches à faire, tu sais, puis il faut que ce soit unifié. On avait entendu parler de lui, on avait su qu'il avait été auparavant le directeur des relations publiques chez Ford Canada. Une carrière très intéressante. Alors, il arrive dans mon bureau. Je m'en souviendrai toujours. Et puis, il m'a dit, « Bon, OK, on va commencer tout de suite, on va faire du brainstorming. » Et puis ça, c'était tellement différent de l'approche de ses prédécesseurs, qui étaient très formels, qui nous appelaient à leur bureau. Et Yves est arrivé avec tant d'enthousiasme, mais aussi était très moderne. The hastily assembled team is made up of French and English-speaking Canadians of all ages. They're quite an eclectic bunch. Edward Churchill, a military man, is director of installations. Jean-Claude Delorme, legal counsel. Edouard Fizet, chief architect. Dale Redeker, director of finances. Pierre de Bellefeuille, director of exhibitors. Yves Jasmin, director of advertising. Philippe de Gaspé-Bourguet, fresh out of Harvard Business School, is director of operations. He will oversee the site during the 6 months of the fair. Finally, there is the general manager, Andrew Nivassaire. The team put together by Pierre Dupuis and Robert Shaw have a mission: to make the dream of Expo 67 a reality, on time. C'était désespéré quand on a pris ça, nous autres. Quand je voyais ce que d'autres pays avaient demandé, 10 ans pour le faire, puis on avait 3 ans et demi, 4 ans, on ne peut pas faire de miracle. We have chosen as main theme of our exhibition, Man and His World. Man and His World is the title of a novel by Antoine de Saint-Exupéry. It is a book that celebrates friendship, mutual assistance, and humanistic values. This is the vision of the directors of Expo. They want to convey the idea of an ideal world, to build bridges among peoples, to present a world fair that will forever remain alive in people's memories. Everything has to be radically modern in anticipation of the future. Each pavilion has to be bolder and more imaginative than the next. For 180 days, the men behind Expo 67 want visitors to see and experience things they had never imagined. They want to create a place where nations will come together to build a global village, a model of a better world. It might be a dream, but I think it's time that we start dreaming in our world of realities. All the more so
that the younger generations are disappointed more and more with realities and expect from us something new. Man in His World. It's a good name. But this world has to be built. They have to extend the Mekkay Jetty and enlarge Île Sainte-Hélène. They have to create an entirely new island, Île Notre-Dame. They have to move millions of tons of earth. And that's just the groundwork. Then, they have to build a city large enough for 200,000 visitors per day. They have to dig a tunnel under the river to extend the metro to Île Sainte-Hélène. They also have to construct a network of highways, along with 27 bridges and 847 buildings. They have to do all this in 3.5 years. It is a colossal task. They have good reason to be nervous. But fortunately, the team is led by a man with an iron will, Colonel Churchill. C'était un gars qui était dur. Il était le chef d'un service qui avait l'ingénierie, l'architecture, design, puis il avait tous ces éléments-là en dessous de lui. Il travaillait dans des deadlines impossibles. C'était, comme on disait chez nous, un bulldozer. The colonel uses a project management method designed during the Second World War to speed up the development of the atomic bomb. The critical path method. It is a proven way to complete complex projects where everything is planned according to a timeline. Churchill wields full control over some 20,000 operations. His motto is, never stray from the critical path. The countdown is on to D-Day. Expo is due to open April 28, 1967. Work is progressing, but not fast enough. They will have to hire more people. An army of people. They hire massive numbers. Like all good managers, Robert Shaw asks to see a detailed budget. Surprise! There isn't one. A budget has never been created. All that is known is that the three levels of government will be splitting a bill of approximately $40 million. No precise estimates have been made. Robert Shaw and his team take out their calculators. Well, the direct cost of the corporation's activities, capital and operating, are $167.2 million. More than $167 million. $1.5 billion in today's dollars. More than four times the estimated amount. The politicians are floored. They need time to think before giving their approval. What will be the estimated... Andy Nibasser, qui était le directeur général, il tenait tous les policiers de côté pour répondre à leurs questions tous les jours. C'était continu de ce côté-là. C'était négatif. Les discussions étaient très acerbes. Jusqu'à un moment donné, on ne savait jamais exactement quel serait notre budget. On April 17, 1964,
After heated discussions, Pearson's office approves the new budget for Expo 67. The decision passes by just one vote. Le climat était réfractaire à l'endroit de l'expo. Nos amis d'Ontario voyaient l'expo comme un défi pour le Canadian National Exhibition, CNE, qui avait lieu depuis presque 100 ans à Toronto. C'était leur événement qui se faisait régulièrement tous les ans. Et ils se sont dit, ils vont nous enlever notre auditoire. Controller, do you feel the fair should have been held in Toronto rather than Montreal? I most assuredly do, and there would certainly not have been the waste, enormous waste of money, and it isn't over yet. Do you feel that the rest of Canada is subsidizing this fair in Montreal? The rest of Canada is subsidizing the fair. And they get everything, and I'm sick and tired of it. And I propose to go to Ottawa about this Winter Works program with this waste going on for Montreal. This is Sunday Morning Magazine, a weekly report on the people and events in the news. In this edition, the 1967 Canadian World's Fair and its problems. Il y avait une attitude réfractaire à travers tout le Canada. Notre pays n'est pas facile de composer, hein? On a des différences. C'est beau, c'est formidable, c'est grand, mais c'est pas facile de l'amener ensemble. Le Québec était séparatiste, en fait plusieurs. Puis bien évidemment, ça ne faisait pas l'affaire du reste du Canada. Alors on était déjà suspects. Ils trouvaient que c'était vraiment encourager le mal. C'est la traditionnelle opposition de anglais-français au Canada. Ce fameux symbole, qu'est-ce que c'est? Ce symbole se compose d'éléments qui existent depuis toujours, depuis très longtemps, et qui représentent l'homme. Ce que nous avons dessiné, c'est des hommes qui se groupent autour d'une terre. Nous avons exprimé le thème de l'exposition qui était « Terre des hommes ». Ottawa, qu'est-ce que ça a l'air des pattes de poulet. Il n'y a pas de feuilles d'érable, il n'y a pas de, tu sais, de symbole canadien en dessous de ça. Puis, alors, retournez-moi ça. Ils ne comprennent rien dans tout ce qu'on faisait. Ce vendredi dernier, à la suite d'une réunion des membres des communes à Ottawa, on décidait de rejeter l'emblème de l'exposition, cet emblème que tout le monde connaissait déjà et qui avait été choisi après la tenue d'un concours en cercle fermé. John Diefenbaker, now leader of the official opposition, takes the floor. Mr. Chairman, we're trying to show something Canadian here. To me, this looks like an artistic monstrosity. I would have thought this would have been an ideal occasion to place the maple leaf in the center, to show it was Canadian. Mr. Chairman, we have to reject this symbol. Croyez-vous, M. Hébert, que si votre symbole avait eu une feuille d'érable avec un joli castor, que ça aurait plu davantage à M. C'est possible. Peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ce n'est pas une exposition montréalaise ou québécoise ou canadienne, c'est une exposition universelle. An exhibition of this type is universal, meaning all subjects, and international, meaning all nations. Il était très important pour nous de tenir front.
Mais il fallait dire non à Ottawa, puis c'est quand même à Ottawa qui payait l'expo. On n'acceptait pas de pression politique. On vertu un ordre, un décret qui vient de ça. Laissez-vous pas influencer par qui que ce soit. Tous les mercredis soirs, on se rencontrait les uns sur les autres, puis on s'aidait les uns les autres. Et on a créé ce qu'on appelait les durs. Et les durs, c'était tous les chefs de service. La responsabilité de l'expo, c'est à nous. C'est sur nos épaules qu'elle repose. C'est sur nos épaules qu'on va se fier. June 30th, 1964. After a year of trucking Earth day and night, the islands are finally ready. They can now start building man and his world. Day one has arrived. C'est avec un profond sentiment de responsabilité qu'à titre de commissaire général, je reçois les terres nouvelles de l'île Sainte-Hélène et de l'île Notre-Dame pour en faire un haut lieu de civilisation universelle. Il n'y avait rien. Il y avait de grands trous. Difficile à envisager que d'ici 3 ans, ça va être très beau. Il y aura des pavillons partout, il y aura des arbres, des jardins. Pas facile à croire, hein? It is Pierre Dupuis' turn to take the stage. His mission? To travel around the world, convincing countries to build a pavilion in Montreal in 1967. Pierre Dupuis wants every country on Earth present at Man and His World. Allied countries, and especially those from the Eastern Bloc. At the height of the Cold War, their presence at Expo 67 will almost certainly draw the crowds. If the Soviet Union can be convinced to attend, several other communist countries will follow suit. En fin d'année, 27 pays, dont le Canada, avaient annoncé officiellement leur participation à l'exposition. Le Royaume-Uni, le Maroc, la Malaisie, le Japon, la Finlande, le Danemark, la Tunisie, les États-Unis d'Amérique, qui ont annoncé officiellement leur participation à l'exposition. Montréal accueille pour la première fois le paquebot soviétique Alexandre Pouchkine. C'est à son bord que Pierre Dupuis et l'ambassadeur de l'Union soviétique au Canada, M. Ivan Tchepko, paraphent le contrat de participation de l'URSS à Expo 67.
Je crois qu'à la fin de décembre l'an dernier, il y avait une trentaine de participants. Maintenant, nous en avons 70. Ils m'ont fixé un objectif de 30 millions de visiteurs. Oh, oh, c'est déjà ambitieux. Pas facile. D'abord, il faut sensibiliser les médias d'information. Circuit breaker, second on. Oxygen, skid, and storm. On va inviter les journalistes des villes du Canada et des États-Unis à venir voir qu'est-ce que ça voulait dire l'Expo 67 en préparation. Alors, on a fait des invitations aux journaux. Ils venaient à nos frais, à Montréal. Puis là, on les amène sur l'emplacement. Puis là, il y a des photos, des textes. Tu sais, on avait tout fourni. Il y avait quelqu'un qui venait leur faire un petit speech. Souvent beau bien, parce qu'il était très bon orateur, puis il était beau, il était jeune, puis il était vendeur. This is the first time in the history of exhibitions that it's held on an island. It's the first time that it's held outside of Europe. It's the first time in the history of exhibitions that we've given so much importance to the education. You have no choice. You just gotta come. Tout le monde était dans ce besoin d'informer puis de créer une compréhension de ce que c'était que l'Expo 67. Mais on ne savait pas si on convainquait. L'observateur de passage cherche des édifices et des rues. Il n'aperçoit que quelques structures à peine debout. Il devient convaincu que l'Expo est en retard. Il juge d'après ce qu'il voit. De la façon dont c'est parti, je ne pense pas que l'expo sera prêt pour 67. On ne semble pas tellement pressé de commencer. Il y a certains pavillons qui ne sont pas des, sont pas commencés du tout, du tout. Les gens sont anxieux, tous, moi d'ailleurs. Sera-t-elle prête à temps? Voilà la question qu'on pose le plus souvent à ceux qui sont associés, de près ou de loin, à l'expo 67. Les critiques, on en a eu beaucoup. Et il y avait toute une campagne donc à faire à l'intérieur même du pays. On savait l'immensité du travail qu'il y avait à faire pour vendre l'expo, pour la faire connaître, pour la faire apprécier, les posters, le cinéma, la radio, la télévision. C'était un travail énorme. Le passeport d'une semaine, $7.50. Et il faut prendre des étapes. C'était très, très, très exigeant d'avoir à mener une équipe comme celle-là, puis de corriger ici, puis de faire ça, puis de... d'amener les gens à faire ce que je voulais qu'ils fassent. J'ai eu la chance, pendant un bout de temps, de présenter une immense maquette de ce qu'allait être l'expo. On m'a envoyé à Toronto, à Calgary, à Vancouver. Je faisais la tournée du Canada avec cette maquette. Tout le monde était très sceptique. The name of the game is Expo. It's a short, catchy, and really cute phrase, I guess. When Brussels had a World's Fair, it was called the International World's Fair, or the World's Fair. The same for Seattle, New York, and other places. In other words, people knew
What it was and where it was. We have Expo. Could be a can of sardines, or it could be a Montreal International or World's Fair. Quite a lot of people think that the most expensive gift of all, Expo, is a brand of detergent. Ça, c'est une résistance beaucoup de la part des Canadiens anglais qui disent Expo means nothing. Tu sais, what do you want, Exib? Exib 67? Don't be ridiculous. And then there is our story on Expo. We still want to tell it to you. Expo has a problem right now, as we were mentioning. W5 went to the States this week. This is what's known in television as an instant survey, but it does make you wonder about that name, Expo. Expo? What's Expo, right? How Doesn't people know? Is it some kind of advertisement for an airline or something? No. I don't think I'd like that X-bit. I don't. Maybe the Canadian Wars Fair. It's in Canada. Yeah, that's what I think. Would that be better than calling it Expo 67? I think so. What's in a name? Well, about $500 million and Canadian prestige. That's what's in this name. And it's too late to change it now. C'est un job qui ne peut pas se faire en 24 heures. Tu sais, c'est un flirt constant. Yves Jasmin voulait que j'aille aux chambres de commerce puis aux différents groupes pour faire des discours à Buffalo, à Toronto, à Chicago, pour essayer d'intéresser les gens à venir. In the history of our continent, we have here 70 countries who will be here with a different color skin, a different language, a different tradition, a different architecture, a different way of life, a different political system. And that is all there for young people to see. For once in our history, to show you what we are, to show you what we would like to do, to show you what we've planned to do. And we ourselves are pretty proud of the fact that we're able to do something that's the biggest and the greatest in the world. It means a lot to us that you come and see us that year. And no matter if it was not the greatest and the most extraordinary exhibition ever attempted in the history of mankind, which it is, by the way, you have no choice. You just gotta come. Thank you very much. On a fait une publicité pour Life, qui tirait 9 millions d'exemplaires. Puis on prend une petite photo de la structure du pavillon soviétique, qui a l'air d'une rampe de lancement.
See what the Russians are building. See what the Russians are building, just 40 miles from the USA. As an American, you should look into it. It is a stroke of genius. It is the Cold War, and the USSR is the empire of evil for the Americans. And Yves Jasmin is saying to the Americans, the Soviets are at your door. Come look behind the Iron Curtain. Come meet the enemy. Provocation is the perfect advertising tool. C'était très catchy. C'était une folie. Mais c'est une folie qui a 9 millions d'exemplaires que ça valait la peine de faire, tu sais. Ce soir, M. Yves Jasmin répond aux questions de nos journalistes. Monsieur Jasmin, est-ce que vous êtes satisfait de la rentabilité de vos dépenses en publicité? J'entends par exemple, on nous a dit récemment que vous alliez dépenser 350 000 dollars pour une page de publicité dans les principaux journaux et revues du monde. Oui. C'est cher, c'est un train qui est difficile à soutenir. Une page de publicité dans un magazine comme Life, par exemple, a des échos très considérables. Ça coûte très cher, c'est vrai, mais c'est un argent qui est bien placé. Ça pose également deux questions. D'abord, quel est votre budget? À 8h30, 9h le soir, Bob Shaw m'appelle pour dire, Philippe, on a un problème majeur. L'expo est en danger. Diefenbaker a dit, notre argent est gaspillé par les gens de l'expo. Il a dit, it's a Roman orgy. C'est une orgie romaine sans contrôle. Et on devrait considérer la possibilité de terminer cette expérience-là. Pearson's minority liberal government is walking a tightrope. They could fall at any moment. John Diefenbaker's Conservative Party takes great pleasure in attacking Expo, pointing to the exploding costs. C'était une raison politique et non pas une raison de conviction de sa part. Something must be done. The directors send Jean Drapeau on a mission to Ottawa. He meets with Diefenbaker. In just an hour, he convinces him. What does he say? That Expo will strengthen Canadian unity. Expo is saved. Voici l'édition métropolitaine du magazine Présent. Raymond Grenier, est-ce qu'il existe à l'Expo plusieurs domaines dont on peut s'inquiéter avec des raisons sérieuses? Officiellement, le colonel Churchill a avoué un retard de 4 semaines. Ça serait miraculeux si c'était prêt vraiment le 28 avril 67. Je crois qu'il faut toucher du bois et il doit y avoir beaucoup d'ingénieurs qui touchent du bois également. Triste nouvelle de dernière heure. Le colonel Edward Churchill, directeur de l'aménagement de l'Expo, a dû être hospitalisé hier à la suite d'une crise cardiaque. Ses collaborateurs à l'Expo et ceux qui sont associés à l'Expo font des vœux ardents pour son prompt rétablissement. Je voudrais rectifier peut-être des inquiétudes que les auditeurs pourraient avoir au sujet du colonel Churchill. Il a eu une légère attaque, c'est vrai. Il est à l'hôpital, c'est vrai. Il va cependant très bien. Le colonel Churchill
il a fait venir une petite maquette dans sa chambre à l'hôpital. Il ne cessait de téléphoner à des gens, d'arranger certaines choses, de négocier avec des constructeurs, etc. Ça, c'était l'expo. Jean-Claude Delorme, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, monsieur Bouvier, bonjour. C'était frénétique. Il y avait tant de choses à faire et puis il y avait si peu de temps. On plantait des arbres à 20 sous zéro. Ça ne sera jamais prêt en temps, mais j'ai dit, on n'a pas le choix. Il faut le faire. Avril, le matin. L'ouverture de l'expo. Moi, j'étais réellement inquiet. Est-ce qu'ils vont venir? On ne sait pas. Philippe et moi, on était à le restaurant sur l'île de Champlain. Et puis, on était sur le balcon. On a regardé le site. Il n'y avait personne là. Mais c'était magnifique. On regardait un panorama exquis. Il me regarde, il dit, on a tout fait ça, on a tout planifié ça. Penses-tu qu'ils vont venir? Mon cœur. Thank you.
J'ai dit, ben, ça augure bien. Ça a continué. Bon, Bell Boy sonne, je le prends pas, je m'en vais au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Ici, M. de Gaspé-Beaubien, on a un problème majeur. Berry de Montsigny, la station d'entrée du métro. On recommande qu'on ferme l'entrée de l'expo à Berry de Montsigny. Il y a trop de monde. Hey! J'étais heureux, il y avait du monde qui venait. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Nous te ferons la fête sur une île inventée, sortie de notre tête, tout aux couleurs de l'été. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. J'étais dans la salle de contrôle, puis j'essayais de minimiser les problèmes que nous avions à l'expo. J'ai 10 services, 10 000 employés qui travaillaient dans tous les domaines de l'expo. La sécurité, les spectacles, la ronde, les restaurants, les hôtesses. La responsabilité était assez énorme. Dans le milieu de ma trentaine, j'avais pas beaucoup d'expérience. Les Anglais disent « we rise to the occasion ». On se mesure à la dimension du défi à ce moment-là. Il y a des choses qu'on ne mentionne pas beaucoup. Mes gars de ma sécurité ont admis qu'il y a eu 27 attentats contre les chefs d'État qui ont été proférés, qu'on n'a jamais parlé à personne. Et heureusement, ça n'est pas arrivé. Tous les jours, il y avait des petites crises, tous les jours. Mais il ne faut pas que le public voit ça. Hey, get up.
pendant les 6 mois de Expo 67, c'était la magie. C'était la magie. Le souvenir de ça, c'est dans tous nos sens. Moi encore, je peux fermer mes yeux. Je sens. Je peux te dire les fleurs qui étaient autour de nous. Quand on a passé les pavillons différents, la senteur différente. Dans chaque pavillon, un autre grand cadeau pour apprendre, pour goûter, pour partager. On était capable de voir quelque chose complètement différent. Québec a ouvert les portes et les cœurs, vraiment. C'était une merveille, cette expo-là, vraiment. Et on a battu tous les records. Est-ce que c'est incroyable? Nous, chez nous, on a battu tous les records. Quand ils sont venus ici, ils ont réalisé l'hospitalité, la chaleur, le dynamisme, la créativité qui existe ici. C'était ça, l'expo. C'était plus que des pavillons, c'était le climat de confiance que ça a régénéré auprès de toutes nous autres, qu'on était capable. Ça a changé notre Québec complètement. On m'a toujours dit, Philippe, t'es né pour un petit pain. Pas vrai. Après l'expo, c'était plus un petit pain, c'était tout le pain complet. Si on voulait, on était capable. Et nos cœurs les unent, comme s'il s'agissait du rythme naturel de la vie des hommes. Cette exposition a été une expérience de bonheur collectif, de compréhension et d'admiration réciproque. La grande famille humaine s'est reconnue semblable en toutes ses figures, en tous ses élans, en sa joie de vivre et d'aimer. Elle est en marche vers la paix. Cette œuvre commune, nous l'avons voulue, nous l'avons créée. Nous l'avons enrichi de notre inspiration et de notre espoir. My report is a simple one. Mission completed. Mission accomplie. Je crois un peu triste. Quand le site avait été vidé la nuit de la fermeture, c'était fini. C'était fini.
Après ce que vous venez de voir de notre exposition, vous comprendrez sans peine qu'une œuvre de cette envergure n'est pas seulement l'œuvre d'un homme, mais d'une équipe. On a réussi cette mission impossible, c'est-à-dire que c'est impossible, mais c'est réalisable. On l'a fait. C'est une grande satisfaction. Ce qui a fait le succès de l'expo, c'était l'ouverture d'esprit des deux générations d'employés. On avait presque une culture de tuteur. J'aimerais revoir ce genre d'esprit. Parce qu'on a tous beaucoup à apprendre. Ça avait été construit rien par nous autres, les Canadiens français, n'aurait pas ouvert en temps. Parce qu'on aime à dialoguer puis à discuter un peu, hein? Si ça avait été construit juste par des confrères anglophones, ça n'aurait pas été aussi le fun, aussi agréable que c'était. La combinaison des deux, quoique pas facile, a fait que nous avons eu quelque chose simplement d'extraordinaire. Avec des gens bien ordinaires comme nous autres.